Moi, j'ai toujours eu dans ma tête que dans un pays, ça prend des producteurs, des agriculteurs pour nourrir les gens. Le temps, le mieux de l'année qu'on peut amener, c'est le printemps, lorsque la nature se réveille. J'ai jamais entendu mes parents parler en négatif de l'agriculture. Chaque fois que mes parents parlaient d'agriculture, c'était positif. Donc pour moi, ça a toujours été un beau milieu pour moi, l'agriculture. Non, je veux pas faire aucun autre travail dans la vie. Si on est attentif un petit peu, là, il y a quelque chose à voir dans la nature qui est fameux. C'est beaucoup valorisant pour les personnes de travailler sur la terre. Donc, ça donne de l'énergie. J'ai hâte de me lever le matin pour aller sur la ferme, aller voir les animaux, aller voir les employés. C'est une passion parce qu'on ne compte jamais nos heures. Depuis l'âge de 12 ans que je rêvais d'avoir une ferme. Mais j'ai sorti de mon placard, puis c'est moi qui ai demandé la ferme de mes parents avec Régis. Si je ne l'aurais pas fait, là, je ne l'aurais pas la ferme aujourd'hui. Je suis fière de ça, puis Régis aussi. Ah, c'est bien dit, hein? On cultive la terre, mais il faut cultiver aussi la famille. L'important de mon travail, c'est d'être maître de son horaire et d'être capable de faire ce qu'on veut, quand on veut. Toujours un complément, là. Mettons, moi, je suis dans l'air. Elle, c'est de traire les vaches, tu sais, on a complètement... Mais un jour, un bon moment donné, on s'assoit puis on prend une bonne coupe de vin avec un bon fromage. On peut être fier parce que on produit la nourriture pour le monde entier. Moi, ma fierté, c'est d'avoir, au fil des ans, avoir bâti une entreprise. Oui, je suis très fier. Fier d'être agriculteur, puis fier de nourrir le monde. Donc, de plus en plus, le consommateur veut être près du producteur agricole, de ce qu'il mange, de où ça vient, comment c'est produit. C'est ça. C'est les défis là, que l'agriculture m'apporte. Je veux tout le temps être meilleur. Nous, ce qu'on veut, en tout cas, je pense qu'on le partage ensemble, c'est de génération en génération. L'espoir là, que l'agriculture va tout le temps aller en s'améliorant. Je pense que le travail d'agriculture est un peu méconnu du grand public, mais avec des agriculteurs fiers et passionnés, je pense qu'on va y arriver.